Alors, je vais essayer de refaire la correction de l'exo 1 alors que j'ai rien compris. Alors, ça disait quoi? Non, c'est pas là. Ok. L'assureur dans l'activité constante émet chaque année un chiffre d'affaires de 200 millions. Je vais noter là 200 millions. Et du coup, taux de sinistre à prime, frais de gestion, et au niveau constant de 70%. Alors, S sur P égale 70%. Donc, on sait que S, si on a besoin de le calculer, ce sera 70% fois prime. Alors, question 1, sachant que la cadence de règlement des sinistres est de 45% première année, 35% deuxième année, 20% troisième année, calculer le montant de la provision pour sinistre, donc la PSAP, au 31 décembre, montant traduisant la stabilité de cadence des règlements. Alors, il y avait plein de réponses là-dessus. Alors, c'était quoi les hypothèses? C'est qu'en année N, il fait encore 200. N plus 1, 200 millions, 200 millions. N plus 2, il fait encore 200 millions de chiffres. Ok. Voilà. Donc, déjà le premier calcul qu'on peut faire, c'est S égale 70% fois 200. Ok. Ce qui fait 140. Ça. C'est ça. 140 pour chaque année. Maintenant, il faut voir c'est quoi la PSAP. Donc il a chaque année 140 millions d'euros de sinistres à payer. Ok. Maintenant, la cadence de règlement, c'est quoi? C'est que il en paye 45% première année, 35%. Ok. Donc. Ok. Donc ça. Donc en règlement. En N, il va régler 45%. 45%. Donc en N, il y a 140 millions d'euros de sinistre et il en règle 45%. Donc du coup, en N, dans la fosse, là, il va en régler 63. Ça ne me dit pas la PSAP parce que là c'est 63. Ok, maintenant N plus 1. Plus 1, il a encore 140 millions d'euros. Alors ça se répercute là, le 63 là, N plus 1. Donc il y a. Il en règle 63. Ça... Ah. S'il en règle 63 là, donc ça veut dire qu'il va reporter sur N plus 1 là. 140 moins 63, 77. Donc ouais, théoriquement ouais. Donc là la PSAP de N ce serait 77.
Si 63 était réglé. Ok, Rn plus 1, il a encore 63 à régler. Mais on en a reporté 77. Alors, Rn plus 1, Rn plus 1, pardon, je vais effacer ça. Oui. C'est bon, il a toujours 63 à régler. Mais en N plus 1, il en règle 35%. Donc du coup, ça fait 140 fois 0,35. Donc il en règle 49. Donc là, il va régler 49 pour l'année N. Pour l'année N-1, je sais pas. Ok, ce qui fait UMSAP. Je sais pas comment calculer la PSAP là. Alors, attendez, attendez. Non, c'est pas ça. Bon, alors pour l'instant je sais pas c'est quoi la PSAP là. Alors N plus 2, donc du coup là on reporte les, mais là je sais pas combien je dois reporter, je connais pas la PSAP. N plus 2, c'est étrange. Alors, déjà on sait que c'est 28 là. Ok, pourquoi 28? Parce que déjà on sait qu'il va payer 20%. D'accord? 140 fois 20. Donc du coup, la règle 28. D'accord? Dans N, il y a règle 63. Alors, c'est le truc que je suis sûr, c'est ça. 63, 49, 28. Et je sais que la PSAP au 31 décembre, N, elle est de 77, ok? Si on additionne là, ça fait 112. Voilà, on a tout réglé sur la première année là. Effectivement, si on reporte ça, 49, 63. On ferait 140, effectivement. Ah, voilà, c'est là que je suis très... Donc du coup, ce serait quoi la PSAP de N plus 1 et la PSAP de N plus 3? Essayer de voir dans les screens que j'ai pris. Bon, alors, screenshot. C'était là. Donc, ça c'était l'exo. Ok. Survenance, machin, ok. Règlement. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? 69. Alors, si on continue à N plus 3. Alors, ce qu'il dit à N plus 3, c'est que...
N plus 3, il y a 28 49 qui doivent être réglés. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, si je comprends bien la logique. 49, il vient là. 28, il vient là. N plus 4. Le 28, il serait là. C'est ça? Ok. Donc 140, règlement N plus 3, 77. Et N plus 4, 28. Ok. Même si on ne connaît pas. Même si effectivement on ne reconnaît pas les montants là. Là, là et là. Donc là, la PSAP là, pour la première année, c'était bien 140 moins 63. Alors là, ce serait du coup. Est-ce que ce serait 140 moins 112? Non, c'est pas ça. Comment il trouve 105 lui? Plus 77. Ouais, d'accord. En fait, la PSAP là, elle se retrouve là, à payer, parce qu'on a fait des provisions, et on sait qu'on a payé 28 cette année-là. Donc ça fait bien 105. Ok, enfin j'ai pigé. 28, 77, ouais, 105. Donc du coup. Alors. 70. Non mais ça c'est un règlement comptable ça. Ah, pourquoi il dit encore c'est 28 et 105? C'est encore 28 plus 77, c'est ça, mais je comprends pas là. C'est vrai que je pige pas là. Ça, c'est le taux escompté. C'est là que je pige pas. Total des règlements, on est d'accord. Ça, je compris pour la première année. Je sais pas.